J'étais quand même. On va démarrer. Bonjour et bienvenue au grand séminaire de l'OFP. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Christophe Ronac, membre de la direction de la stratégie UFES. Merci d'être parmi nous. Donc, en quelques mots, M. Bonal, depuis 1984, a consacré l'essentiel de sa carrière au développement des lanceurs, notamment Ariane 5, et de nombreux avant-projets, d'abord chez Aérospatial, maintenant Ariane Group, puis au CNES depuis 1993. En parallèle, il a été en charge des sujets liés à la pérennité des opérations spatiales, responsable du sujet des débris spatiaux depuis 1987. Donc, c'est pas récent. Je suis le plus vieux débris actif en Europe. Ça va, apparemment, ça se passe bien. Il est actuellement délégué français auprès de l'IADC, le CSS et ISO. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, il vous le dira. Et préside les deux principaux groupes internationaux non gouvernementaux sur le sujet des débris et de la gestion du trafic spatial. Je vous laisse entre ces mains. Merci beaucoup Sylvie. Merci à tous d'être venus alors qu'il fait si beau dehors, vous serez si bien dehors sur une pelouse à manger. Donc, ce que je voudrais, je suis très limité dans le temps, parce que comme je disais, depuis ça, je le fais en 3 heures, là j'ai le droit à 1 heure. Donc, ce que je voudrais, c'est d'abord rapidement vous expliquer en quoi ça peut poser un problème, ce qu'on a au-dessus de nos têtes, en quoi c'est gênant, quels sont les événements redoutés, et que peut-on faire, peut-on prévoir de faire avant d'arriver à quelques conclusions. Premièrement, quand même toujours ma mise en bouche, c'est l'espace est fondamental. Enfin, je crois que je suis dans une assemblée qui est pas mal au courant. L'espace est fondamental, c'est indispensable, c'est stratégique pour nous, notamment pour tout ce qui est environnement, développement durable, science, contribution fondamentale à toutes les recherches sur la connaissance de la Terre, de l'univers, l'origine de la vie et autres. C'est tout ce qui est information et mobilité. Je n'hésite jamais à l'envie de parler juste de Cosmas Sarsat. Ici, si vous connaissez peut-être, mais généralement, je dis, qui connaît Cosmas Sarsat? Personne ne connaît. C'est une petite constellation. Il y a 3 satellites qui tournent, 3 petits satellites qui tournent. Et puis, quand on a un problème, par exemple, un bateau qui coule au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, on appuie sur la balise. Et, qui est là. Et puis, donc, ça émet un signal qui est récupéré par un premier satellite, puis un deuxième, un troisième, par triangulation, on sait exactement où est l'objet. Et donc, on peut envoyer les secours. Et à ce jour, par exemple, un truc comme Sarsat, dont personne n'a jamais entendu parler, ça a sauvé 45 000 vies. Voilà le genre de présence absolue de l'espace, l'omniprésence de l'espace dans nos vies quotidiennes, même si on ne s'en rend pas compte. On dit généralement que tous les jours, on se sert en moyenne de 50 satellites. Donc ça, c'est fondamental, c'est stratégique, mais c'est fortement contesté, notamment par la prolifération des débris spatiaux. Alors, ces débris spatiaux, ça existe depuis le vénérable Sputnik. Ici, donc, 4 octobre 57, on se souvient de la petite sphère de 84 kg qui faisait bip bip, qui était lancée. Ce qu'on oublie généralement, c'est que sur la même orbite, il y avait ça. Il y avait l'étage principal de la Zemurka, le Cyton 5, sur la même orbite. Il y avait même une petite coiffe protectrice qui permettait de traverser l'atmosphère. Et donc, il faut comprendre que dès le premier lancement, 98% de la masse injectée en orbite, c'était des débris. C'est-à-dire des débris. Un débris spatial est un objet artificiel, orbital, non fonctionnel, donc qui ne sert plus à rien.
On peut même pousser le vice un petit peu plus loin, donc déjà la charge utile proprement dite ne représentait que 1,3%. Et encore, Spoutnik s'est arrêté de faire son bip bip au bout de 21 jours. C'était les batteries de voiture, et qui, quand elles étaient mortes, voilà, il n'y avait plus de bip bip. Néanmoins, il est resté moins. Il est resté au total 92 jours en orbite. Donc ça veut dire que pendant 71 jours, donc les trois quarts de sa vie, il n'était plus fonctionnel, c'était un débris. Et donc comme ça, on retrouve les sources principales de débris. C'est les vieux satellites, hors d'usage, les vieux étages supérieurs qu'on a abandonnés là-haut, les vieux objets débris qu'on appelle issus des opérations, c'est-à-dire les samples, les capots, les coiffes qu'on a abandonnés là-haut, voilà, plus les explosions, les fragmentations dont on a parlé. Voilà rapidement l'évolution de la population orbitale vue par la NASA. Donc là, il y a la Terre, là, il y a la Terre, par la même distance. Les petits points ici, c'est ce qu'on appelle les objets catalogués. Un objet catalogué, c'est quoi? C'est un objet qu'on est capable d'observer avec une précision suffisamment grande pour être capable d'en déduire des effets d'analyse. On peut mettre dans un catalogue, il y a un catalogue public qui est worldspacetrack.com, qui est disponible pour tout le monde, et dans lequel vous avez la liste de tous les objets catalogués. L'ordre de grandeur, c'est en orbite basse, c'est 10 cm, c'est la taille du point. En orbite géostationnaire, évidemment, c'est plus loin, c'est 1 mètre à peu près. Donc tous les points blancs que vous voyez ici n'ont pas été placés au hasard, c'est évidemment les objets catalogués en 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, bon, voilà 2022. Bon, évidemment, on voit qu'il y a deux grandes zones assez congestées. Premièrement, tout ce qu'on appelle les orbites basses, ça va jusqu'à 1500 km d'altitude à peu près. On a l'impression que c'est bien isotrope. En réalité, vous notez la concentration du potel. C'est vrai. On voit ici une concentration au nord et au sud qui témoigne du fait qu'en fait, les débris bougent nord-sud. Okay, donc, ça donne un effet d'optique au niveau des problèmes. À droite, vous avez le voisinage de l'orbite géostationnaire. Et l'orbite géostationnaire, qui est... Je change juste deux secondes, sinon... Quand même... L'orbite géostationnaire, c'est une particularité qu'elle n'est pas stable. Vous avez sans doute que si vous lâchez un satellite en orbite géostationnaire, donc 35 800 km au-dessus de l'équateur, si vous ne le maintenez pas en place, au bout d'un moment, il va commencer à dériver. À cause de la pression de gravitation céleste, à cause des perturbations gravitationnelles du Soleil et de la Lune, et à cause de la forme du géoïde. Et donc, si on n'y prend pas garde, au bout d'un moment, tous les satellites géo, initialement géo, finissent par dériver. Tout ce que vous voyez ici, hors de l'arc géostationnaire, c'est les vieux satellites géostationnaires qui ont dérivé, qui sont devenus des débris. Au niveau des quelques statistiques, donc on estime qu'il y a 36 000 objets de la taille du point ou plus en orbite. Sur ces 36 000, il y en a 27 000. Alors hier, il y en avait 27 000, 36 catalogués. La différence entre les deux, c'est que premièrement, il y a beaucoup d'objets militaires qui ne sont pas dans les catalogues, notamment tout ce qui est militaire américain, mais également les autres, et pas mal d'objets qu'on catalogue. On le voit le lundi, on le voit le mardi, on le voit le mercredi, on ne le voit plus le jeudi. Donc il sort du catalogue, et puis on le récupère la semaine d'après, et donc là, on le remet dans le catalogue. Donc il y a toute une gamme, plusieurs milliers d'objets qui bagotent entre « je suis catalogué, je ne suis pas catalogué ». Au niveau de ces objets catalogués, si on fait le calendrier, on voit qu'on a 7700 satellites actifs, donc 25%, 28%. Et tout le reste, donc, c'est du débris. Tout le reste, c'est du débris, notamment des satellites d'or, donc il y a 17%, des vieux étages de lanceurs, à nouveau 17%, 18%. Les débris opérationnels, donc des coiffes, sangles et autres, et tout le reste, c'est des fragments. On va les voir après.
Sur les satellites actifs, il y a à peu près 590 en orbite géostationnaire. Il y a 6870 en orbite basse. Alors ça, c'est un chiffre qui varie quotidiennement, notamment à cause de Starlink. Où Starlink, il les lance 40 par 40 une fois par semaine. Donc forcément, on a du mal un peu à suivre les statistiques là-dessus. 980 en orbite GNSS, donc tout ce qui est Galileo, GPS, GLONASS, GLONASS, les satellites de navigation. Et puis une centaine ailleurs, notamment des scientifiques un peu exotiques, les O3B, les Bolivia, et autres. Après, quand on descend au niveau taille, là, bon, il y a environ 1 million de débris de plus de 1 cm et 150 millions de débris de 1 mm. Vous verrez un peu après pourquoi je cite ces deux valeurs-là. La masse totale en orbite, bon, 9800 tonnes. Donc, il va falloir que je change d'image, parce que jusqu'à maintenant, je disais, c'est à peu près la masse de la tour Eiffel. La tour Eiffel fait 7500 tonnes. Donc, maintenant, ça y est, on va dépasser. Il va falloir que je trouve un truc à 10 000 tonnes. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'espace est évidemment immensément vaste. À un instant donné, il n'y a que 27 gros objets au-dessus de la France. Donc, hein, tous les quatre départements, à peu près. J'aime bien, il y a un truc que je me suis amusé à calculer la densité de débris dans cette coque-là, rapportée au volume de la coque. Hein, donc, volume occupé par les débris par rapport au volume jusqu'à 1500 km d'altitude. C'est l'équivalent de deux bouteilles de Coca-Cola perdues dans la Méditerranée. Donc c'est un truc important. L'espace est infiniment vide. Évidemment, là, les points sont très gros. Les points font la taille d'un département. Les points sont très gros. Et si on ne peut pas les faire à la taille réelle, sinon on dirait absolument rien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'espace est quand même infiniment vide. Il n'y a rien dedans. Là, c'est le côté vert à côté plein. Entre vert et moitié vide, le problème là-dedans, il y a trois problèmes associés à ça. C'est quand les objets sont en orbite, généralement, ils y sont pour longtemps. Un objet à 1000 km, par exemple, d'altitude, sera là-haut pour 1000 ans. 800 km, on y est pour deux siècles. 1000 km, 1000 ans. 1200 km, 2000 ans. Enfin, à cause de l'atmosphère qui varie, qui diminue très rapidement avec l'altitude. Donc, 1000 ans de durée de vie. Pendant ce temps, ils sont en orbite. Donc, ils se déplacent à 8 km par seconde, donc 30 000 km à l'heure. Donc, quand vous intégrez 30 000 km à l'heure pendant 1000 ans, ça fait du chemin. Donc, ça veut dire que la probabilité de faire une mauvaise rencontre pendant les 1000 ans devient très forte. Donc, ça veut dire que les objets qu'on lâche là-haut, ils finiront à un moment ou à un autre par rentrer en collision avec les satellites qui sont là-haut, les satellites, les débris qui sont là-haut. Et enfin, le troisième point, si par hasard ils survivent, alors ils finissent par redescendre et à retomber sur Terre en étant potentiellement dangereux pour les populations sur Terre. Ici, vous avez la courbe présentant l'évolution du nombre d'objets catalogués en orbite depuis Sputnik. Si vous regardez juste la courbe du haut, donc on voit qu'on est monté, là on est à 26 000 et poussière, 27 000. Avec quelques événements significatifs. Chaque fois qu'il y a un petit bump, comme ça, c'est une explosion, une fragmentation en orbite. On a vu une qui était célèbre, c'était le H8, donc le troisième étage d'Ariane 1 pour le vol 16, qui était le lancement de Spot 1. Donc Spot 1, février 86, le très beau lancement, tout s'est très bien passé, et tout, rien à remarquer. Et 9 mois après, donc novembre 86, l'étage a explosé en orbite en faisant 700 gros débris. Là, on s'est rendu compte que quand on a fini le lancement, vite, on s'est empressé de fermer toutes les vannes et tout, et il restait du carburant à bord. En plus, la protection thermique, au bout d'un moment, a fichu le camp. L'étage a été chauffé par le soleil, il y a eu un effet de cocotte minute, et a explosé. Enfin, pour l'anecdote, donc là, les Américains nous ont dit, bon, ok, il faudrait que vous passiviez l'étage. C'est-à-dire, en fin de mission, il faut éliminer toute énergie interne de l'étage. Et donc, bon, c'est facile. Les Américains, vous savez, ça nous est arrivé plein de fois. Chaque fois, tous les petits bumps ici, c'est des Delta 2 ou des Atlas américains. Là, on les a pris un peu de haut en disant, oh, bon, il n'y a pas de règle là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'obligation. C'est un épiphénomène, ça ne réarrivera pas. Le lendemain, on faisait la une du New York Times, du Herald Tribune, ces salauds d'Européens qui polluent l'espace. Le surlendemain, on faisait le groupe de travail pour modifier l'étage, et depuis, on n'a jamais explosé. Donc c'est important, c'est une petite anecdote,
intéressante qu'on va revoir un peu après, c'est finalement tout l'aspect réglementaire, formel, etc., ça marche pas. Donc, ce qui marche, c'est les discussions, les négociations, les chantages, comme dans beaucoup d'autres. Bon, on a eu pas mal d'explosions et autres. Vous voyez, entre 57 et 2007, à peu près, donc une courbe qui monte. Les plus optimistes diront que la dérivée seconde est négative, donc on était en train de rattraper un peu le coup. Les Chinois ont fait une très belle démonstration d'anti-satellites. Donc, c'est-à-dire, ils ont détruit, à partir d'un missile de Wilson, en 2007, ils ont détruit un vieux satellite militaire météo, qui s'appelait Feng Min-1C. Alors, très, très, très belle manip, au point de vue technologique, parce qu'ils ont réussi à toucher sur une cible qui faisait finalement 40 sur 40, précisément, et qui passait à 30 000 km à l'heure, ils ont réussi à toucher ça. Donc, c'était quand même assez fort. Alors, malheureusement, c'était une catastrophe, parce qu'ils ont fait ça à 800 km d'altitude, orbite très stable, dont les débris restent là-haut pour 200 ans et nous perturbent toujours. L'année d'après, les Américains ont fait pareil avec USA 193, le petit dump ici. Alors officiellement, c'est parce que USA 193 avait un gros réservoir d'hydrazine et était tombé en panne en orbite dès le lancement, et donc risquait de retomber sur Terre avec de l'hydrazine qui est hautement toxique, et en retombant dans la cour d'une école maternelle. Donc, ils ont eu l'autorisation de descendre leur satellite. Alors, eux l'ont fait à une orbite beaucoup plus basse, et ce qui fait qu'il ne subsiste aucun débris de l'explosion qui a été générée. Là, on se souvient également que le catalogue est tenu par les militaires américains. Donc, il n'y a pas de secret. Et après, il y a une très belle collision entre Iridium 33 et Cosmos 2251, sur laquelle je reviens un peu après. Iridium 33, qui est un satellite de télécommunication actif, et qui a créé 3000 gros débris. Donc là, on a eu 3-4 événements quand même très significatifs qui ont augmenté de 50% la population. Puis on a eu une période calme, et est arrivé Starlink. Là, évidemment, la courbe, c'est pas les débris, hein, c'est tous les objets artificiels. Donc on a eu Starlink, plus encore un anti-satellite des Russes, Cosmos 14-8, le 15 novembre 2021, qui a rajouté un peu. Donc, bon, on en est là, ça augmente quand même très bien. For fun, juste, je regarde le nombre de satellites actifs qu'il y avait il y a 20 ans, il y en avait 540. Il y a 10 ans, il y en avait 900. Hier, il y en avait 7750. Donc, on est face à une explosion du nombre d'objets. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les contributions sont très très déséquilibrées. Les problèmes des débris, c'est facile, c'est États-Unis, Russie, Chine. Les autres sont peanuts par rapport à ces trois groupes. Ici, vous avez un tableau donc, qui est extrait du catalogue dont je parlais tout à l'heure, SpaceRock. Alors, vous avez à gauche, qui est en orbite, satellite, étage, débris, le total. À droite, ce qui est déjà rentré, satellite, étage, débris, le total, et le total. Par pays. Donc vous voyez notamment que les Américains tiennent 55% des satellites en orbite actuellement. Et surtout qu'au niveau des débris, donc États-Unis, Russie, Chine, globalement, c'est 95% des débris. Au total des objets qui sont là-haut, c'est 87%. Si on regarde même plus précisément juste les débris en orbite basse, c'est 97,5% des débris qui viennent de États-Unis, Russie, Chine. Ça, c'est vachement important. Parce que ça veut dire que quand nous, Européens, ou bien avec nos amis indiens, japonais, on essaie de promouvoir des mesures pour essayer d'être propres et de nettoyer l'espace, etc. En fait, on se heurte au fait que, bon, il faut convaincre États-Unis et Russie, Chine. États-Unis, on arrive à bien discuter avec eux. Russie, Chine, c'est un peu plus compliqué. Pour l'anecdote, par exemple, voilà le camembert des objets en orbite basse, juste. Donc des débris plus les étages supérieurs. Vous voyez donc, Russie 34%, États-Unis 33%, Chine 31%, voilà, et le reste c'est 2%, 2,5%. Quand j'ai discuté de ça avec mes collègues russes, alors, en disant, bon, quand même, vous êtes responsable de 34% des débris en orbite. Premier truc qu'ils ont dit, c'est donc, c'est pas vous, c'est les Soviétiques. D'accord. Après, quand on a dit, bon, ok, on joue sur les mots. Après, ils m'ont dit, mais vous savez, en plus, ces objets-là, on s'en sert pour cataloguer nos télescopes et nos radars.
Donc, ils ont une fonction, donc ce n'est pas des débris. Après, bon, les discussions sont complexes. Bien, ça, c'était la situation au-dessus de nos têtes, aujourd'hui. Maintenant, en quoi est-ce que c'est gênant? La première gêne, c'est vis-à-vis des astronomes. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. C'est trop d'objets orbitaux, aucune observation. Donc, il est clair que quand vous faites un beau cliché qui est zébré par des débris, c'est dommage. Il y a plein d'exemples ici, là, voilà, les Andromèdes qui sont zébrés par un passage d'un Starlink et autres. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours, hein, qui est identifié depuis 2004, mais pour lequel, jusqu'à maintenant, la communauté astro n'avait pas réagi. Au contraire, même réagissait de façon assez positive, en disant que il y avait ce qui s'appelait les flash iridium. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les iridium étaient des satellites de télécommunication qui avaient trois grands panneaux très réfléchissants et qui donnaient des flashs qui étaient très très beaux, et où finalement on arrivait à montrer, la communauté astro faisait de la pub sur le fait que, regardez, c'est très beau. Voilà, donc, bon, il a fallu attendre Starlink pour qu'ils disent que c'est moins beau. Bon, ici, c'est... Ouais, super, ça démarre. Voilà, par exemple, voilà l'image qu'on peut avoir, la vidéo qu'on peut avoir lors du lancement d'une grappe de 40 Starlink. Et ça, bon, ça, soyons francs, quand même. Enfin, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction complète. Personne n'aurait jamais imaginé pouvoir voir ça. On a de la chance quand on voit passer un satellite, mais 40 d'un coup, et puis en plus, bon, il y avait une chaîne derrière encore. C'est quelque chose qui devenait réellement inacceptable, enfin, excessif. Et donc ça, pour ça, ce qu'on a fait, c'est on a pas mal travaillé, notamment avec SpaceX. Premièrement, on a vu, bon, évidemment, c'est prévisible pour les gros objets. Il y a des sites comme Heavens Above ou autres qui vous disent exactement à quel moment tel objet va passer dans votre champ de vue. Donc, si vous êtes un astronome un peu pro, vous savez qu'il faut pas filmer à tel endroit, dans telle direction, de telle heure, de telle seconde à telle seconde. Juste pour éviter le passage. Secondo, évidemment, ces gènes, c'est pas seulement lié aux débris, c'est lié également aux satellites actifs, des météorites, des avions, des nuages et autres. Et en plus, bon, c'est limité à certaines périodes de la nuit, vous voyez un débris que s'il est éclairé. Et vous-même, vous, votre télescope, vous préférez qu'il ne soit pas en plein jour. Donc en fait, il y a des contraintes. Donc ces types d'observations, ces types de gènes, c'est surtout en début de nuit et en fin de nuit. On a beaucoup travaillé avec Starlink pour améliorer premièrement leur visibilité. Donc ils ont commencé par le peindre en noir. Donc ils appelaient ça DarkSat. Malheureusement, ça changeait pas mal la thermique de leur satellite, donc ça n'a pas trop marché. Après, ils ont mis une casquette, ils ont mis une visière, c'était VisorSat, de manière à couper les rayons du soleil. C'était pas très très efficace. Et enfin, par contre, ils ont complètement changé l'attitude de la position du satellite, de la position angulaire du satellite, pendant toutes les opérations de mise en œuvre. Et ça a permis de passer maintenant à une magnitude supérieure à 7. Donc, vous savez que la magnitude, plus c'est élevé, moins on y voit, plus c'est invisible. Magnitude 7, bon, c'est pas invisible, mais ça ne voit pas l'œil nu, par exemple. Donc là, la petite vidéo qui est montrée, en principe, on ne devrait plus la voir. Il subsiste néanmoins un problème à résoudre pour certains types de télescopes. Par exemple, le Vera Rubin, qui est un télescope à très large champ, très forte sensibilité, très longue pause, et qui lui détectera tout ce qui passe devant. Donc là, on ne voit pas. Et puis bon, on ne peut pas fermer le télescope juste au moment du passage du passage de débris ou du passage de satellite. Parce que bon, je crois que le shutter fait plusieurs centaines de kilos, donc on ne peut pas le manipuler comme ça. Donc il reste un problème à résoudre. Il y a vraiment, c'est une vraie question pour certains types de télescopes, mais donc il y a vraiment des groupes de travail. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les objets qui sont en orbite basse, jusqu'à 1500 km à peu près, subissent la traînée atmosphérique. Il y a encore un petit peu de traînée. L'atmosphère suit une exponentielle négative. Donc il y a un peu de traînée, je pense que vous êtes peut-être familier de la traînée, hein, c'est la force qui s'exerce sur votre main quand vous la passez par la fenêtre de la voiture, quand vous roulez, vous sentez qu'il y a une force qui s'applique dessus. Et cette force, on montre en mécanique spatiale que ça freine l'objet. Quand ça freine l'objet, il descend.
Donc tous les objets jusqu'à 1500, jusqu'à 2000 km d'altitude, sont tous engagés dans une spirale progressive qui descend de plus en plus, et de plus en plus vite, puisque plus on descend, plus il y a d'atmosphère, plus il y a d'atmosphère, plus on freine, plus, etc. Ça veut dire que tous les objets non contrôlés finissent par retomber sur Terre. Il y en a de plus en plus. On regarde, par exemple, les objets de 10 cm, donc les objets catalogués, il y en a plusieurs par jour. Il y en a 600 par an, en moyenne, depuis 2008. Et surtout, les objets intègres, les gros objets, c'est-à-dire satellites entiers ou étages supérieurs entiers, il y en a 3 par semaine. Et ça, on ne se rend pas bien compte. On a, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on a un satellite entier ou un étage de lanceur entier qui nous retombe dessus de façon aléatoire. Là où c'est gênant, c'est ces objets, ils brûlent dans l'atmosphère au moment du passage, du frottement par les molécules de la résidualité de l'air. Ils brûlent, mais pas complètement. Hein. Voilà typiquement une rentrée atmosphérique. Donc vous avez la rentrée ici. Tout d'abord, il y a une fragmentation ici par l'effet de la pression dynamique, qui est proportionnel au carré de vitesse. Donc ça, c'est l'objet va commencer à se fragmenter, à se briser vers 95 km d'altitude, entre 95 et 75 en secondo. Et secondo, il va commencer à fondre, à se sublimer, à cause de, par effet de flux thermique. Ça, c'est vers 60 km d'altitude, 65, 60, 55 km. Et donc, vous avez une fragmentation majeure, et tout fond, ou presque. Le problème, c'est presque. C'est-à-dire, on estime qu'il y a 10 à 40% de la masse de nos satellites ou nos étages qui survit à la rentrée et qui impacte la surface du globe. Donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire, par exemple, au hasard, mon bébé étage supérieur d'Ariane 5 qui fait 5 tonnes, ça veut dire qu'à chaque rentrée aléatoire, il y a une tonne qui survit. Je vois très bien laquelle. Je vois très bien les éléments qui survivent et qui vont venir impacter le sol. Donc là, il y a un vrai problème de risque vis-à-vis des populations. Mais on est vraiment sur un schéma où, si on n'a pas de bol, on va tuer quelqu'un à un moment ou à l'autre. Donc, heureusement, à ce jour, il n'y a pas de victimes recensées. Mais le gros problème qu'on a là, c'est qu'on est incapable de dire à quel moment ça va rentrer et où ça va rentrer. On sait vaguement à quel moment ça va rentrer. Quand on regarde le catalogue, on est capable de dire, oh, lui, il devrait rentrer dans 10 jours. Le problème, c'est on sait dire à plus ou moins 10% près. Donc, il va rentrer dans 10 jours, plus ou moins un jour. Un jour, c'est 14h08. Donc, on n'a pas la moindre idée de l'endroit où il va rentrer. La veille de la rentrée, là, on regarde bien le catalogue, on voit le périgée qui s'est bien usé et tout. Donc, on sait où il va rentrer dans 24 heures. Plus ou moins 2h30, c'est 60 000 km. Donc on sait, il va rentrer, donc on sait dire où il ne va pas tomber, on ne sait pas dire où il va tomber. Et ça, c'est un truc terrible, parce que j'ai plein de cas où la trace de la rentrée est sur Toulouse. Je ne vais pas évacuer Toulouse, quand je vais dire il faudrait évacuer Toulouse, on va me dire, bon, vous êtes sûr de votre coup? Ouais, à un tour et demi de la Terre près. Là, ça marche pas. Et donc, on est dans une vraie situation d'épée de Damoclès, où il n'y a pas d'amélioration. On n'a pas d'amélioration envisageable. Dans la discussion, si ça vous intéresse, on peut revenir un peu là-dessus. On n'a pas d'amélioration envisageable. On ne voit pas comment on pourrait améliorer la situation. Et on va rester avec cette incertitude et ces objets qui tombent du ciel. Donc, voilà, par exemple, une rentrée d'un étage Longue Marche 7. Il y a un petit peu trop de lumière, sinon vous verriez les étoiles. Mais derrière, là, on reconnaît, il y a la Grande Ourse ici, mais surtout, il y a Los Angeles ici. Et donc, on voit la fragmentation, on voit donc les objets qui se séparent. Something's re-entering. Et ça, donc ça, c'est bien, parce que ça, on arrive même, par exemple, à faire des analyses spectraux, de manière à savoir ce que c'est comme matériau. Par exemple, pendant les rentrées de l'ATV, on détectait l'urine des astronautes en spectro. Mais là... Et ça, c'est quelque chose donc, qui arrive dans 3 jours. Pour lequel on a de plus en plus de vidéos, notamment parce que, par exemple, les caméras automatiques de surveillance des parkings filment ça à chaque fois. Et donc, on en a des,
des dizaines. Et ça donne quoi? Ben, ça donne plein d'objets sympas, divers et variés, un peu partout dans le monde. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est une sphère de pressurisation d'Ariane 1, vol 19, donc, et qui a passé 19 ans dans l'espace, avant de retomber sur Terre. Donc, c'est un beau bébé qui fait 1 mètre de diamètre en titane, 50 kilos. Donc, on l'a analysé, donc on l'a récupéré. Il est tombé chez une brave dame en Ouganda. Donc, on a récupéré le truc. Et on a vu qu'il y avait au moins 100-150 degrés de marge avant qu'il commence à fondre. Il est monté à 1400, on a fait l'analyse cristallo. Il est monté à 1400, il fallait une décision pour qu'il commence à fondre. Et ça, c'est amusant, parce que ça, donc ça, j'ai montré ça au président du CNES à l'époque, à Mohamed Soussan, en lui disant, ben voilà, tu vois, ça c'est un débris, quoi. Il m'a dit, oui, mais on sait que c'est à nous. Et oui, il y a écrit Ariane, là. Bon, ok. Et on en a combien comme ça? Oh, on en a 150 en orbite. Ouais. Et quelle est la probabilité pour qu'il retombe? Quelle est la probabilité pour qu'il survive à la rentrée? Et est-ce qu'on sait où ils vont retomber? Pas la moindre idée. Et à la fin, j'ai perdu le temps en disant, mais s'il y a un blessé, c'est toi qui vas retomber. Ah oui. Et là, donc, il y a plein d'éléments. Ici, on reconnaît du long marchin. Ça, c'est du Vega, des morceaux de Vega. Ici, j'ai fait une page spéciale pour SpaceX. Parce que, bon, ils font beaucoup de rentrées aléatoires qui bousillent des voitures, qui bousillent. Ici, ils ont cassé une cahute à animaux en Indonésie. On a même récupéré leur ordinateur de bord, qui est au top secret, guitare et tout le truc. Mais bon, alors, il n'est pas réutilisable. Mais quand on a ça dans les pattes, on voit très bien l'agencement des cartes, les connecteurs, les redondances et tout. Donc, c'est très, très commode. OK. Et troisième gemme, c'est évidemment les risques de collision en orbite. Donc, les collisions en orbite, le risque là provient de l'énergie cinétique, 1,5 V2, et du fait qu'on est sur des vitesses orbitales. On est sur des vitesses orbitales, même plus que ça, parce qu'en fait, ce qui compte dans la collision, c'est la vitesse relative des deux objets. Donc, on combine les deux vitesses. Et on montre que, statistiquement, les collisions, elles sont presque de face. Elles sont de 30 degrés de face. Donc, on arrive à avoir des vitesses de collision relatives qui montent à 14 km par seconde. Statistiquement, 14,5 km par seconde. Donc, ça, quand on l'élève au carré, ça donne des énergies phénoménales. Une petite bille de 1 mm, hein, revoilà les 150 millions de débris de 1 mm. Une bille de 1 mm, c'est 1 kJ, et une boule de bowling à 100 km à l'heure. C'est-à-dire, si ça tombe dans un panneau solaire, ça fait un trou. Un trou, là, on a eu un impact sur le panneau solaire de Sentinel 1A, et qui a généré un trou, ça a généré 7 nouveaux débris catalogués. Donc, on a perdu 15% de la puissance électrique, là, la zone grise ici. C'est la zone qui est perdue au niveau du panneau solaire. On a eu de la chance parce que la ligne principale d'alimentation n'a pas été touchée. Et donc, le satellite continue à fonctionner. Et donc, si on tombe sur le panneau solaire, pas grave. Si on tombe sur l'ordinateur de bord, l'émission est fichue. Donc, dès qu'on passe à 1 cm, ben, évidemment, on a 1000 fois plus d'énergie. Là, c'est ma Laguna à 130 km à l'heure. C'est-à-dire, le satellite est mort. Quelle que soit sa taille. On a une onde de choc à l'intérieur du satellite qui détruit tout à l'intérieur, qui casse toutes les soudures, tout. Enfin, donc on a vraiment un centimètre, c'est quelque chose, c'est vraiment le satellite killer. Maintenant, si je monte à 10 centimètres, c'est l'objet donc catalogué, la limite du catalogué, je peux avoir des objets qui font 10 centimètres et que je ne voyais pas venir, là, eux, ils font 1 gigajoule. C'est-à-dire, c'est 240 kg de TNT. Là, donc, évidemment, non seulement le satellite est mort, mais en plus, il a fait des petits un peu partout. Donc, ça, c'est des événements qui génèrent des milliers de nouveaux débris. Donc, un gros débris peut littéralement exploser un satellite et créer un nouveau nuage de débris. Ici, voilà, par exemple, quelques manips qu'on a faites, une expérience qui a été faite à. Bon, enfin, on ne peut plus du labo, mais là où on a tiré une petite bille sur une structure de CubeSat de manière à voir à quoi ça ressemblait. Et voilà l'effet. On a eu donc une petite bille de 4 grammes sur un CubeSat.
puis bon, on a mis un certain temps à récupérer les morceaux par eux. Donc, voilà. Il faut bien comprendre que chacun de ces petits résidus ici est capable de tuer un satellite. C'est le tombe balle. On a des impacts qui peuvent être un peu plus gros. Voilà des impacts qu'on a relevés sur l'ISS. La protection thermique du module FGD, voilà, donc 6 cm de long. La navette était très très fréquemment impactée par des débris. En moyenne, chaque vol navette, il y avait 2,5 impacts sur les fenêtres. Donc, et puis, qu'il fallait remplacer, qu'il fallait refaire. Là, c'est déjà des beaux impacts. Dans le poignet de l'ISS, Et enfin, il y a des collisions beaucoup plus grosses. Voilà ma fameuse collision Iridium 33 à Cosmos 2251. Donc, Iridium 33, satellite de télécommunication actif, 750 kg, qui a rencontré Cosmos 2251, qui était un gros vieux débris soviétique, au-dessus de la Sibérie, et de leur union brève mais torride, on est 4000 gros débris, qui perturbent beaucoup. Alors ça, ça a été un événement fondamental. Parce que quand on a dit à Iridium, mais quand même, est-ce que vous saviez, vous êtes actif, vous êtes manœuvrable, est-ce que vous ne saviez pas qu'il y avait un risque de collision? Il a répondu, si, oui, tout à fait, mais vous savez, on a 99 satellites. Donc s'il fallait qu'on manœuvre chaque fois qu'on a un risque de collision, on s'en sortirait pas. Alors, allez, vous regardez ce que ça donne. Mais vous savez, on a des satellites de rechange, c'est bon. Donc c'était une mentalité un peu spéciale. Alors là-dessus, on a eu un truc qui était sympa, qui était les militaires américains l'ont ramené. On disait, nous, on l'avait vu, il y avait un risque de collision, mais on n'a rien dit parce que Iridium, c'est les privés, nous, les militaires. Après, a posteriori, on a vu que leur annonce était quand même un peu pipeau, se vantait un peu, mais surtout, je crois que c'était Barack Obama qui s'est fâché de rouge en disant, mais c'est totalement anormal qu'il y ait des informations comme ça qui ne soient pas utilisées. Et donc, il a donné un ordre présidentiel disant maintenant toute information de ce genre-là doit être donnée à tout le monde. Mais à tout le monde, c'est-à-dire au monde entier. C'est-à-dire si vous détectez un risque de collision, vous devez en informer avec tout le détail possible, vous devez en informer les Chinois, les Russes, les Indiens, les Français, etc. Parce que, tout simplement, dans une collision de ce genre-là, les premiers qui sont perturbés, c'est les militaires américains. 60% des satellites sont américains. Et donc, et ça, depuis ce jour-là, on a énormément d'informations. Quand je dis énormément, on en a beaucoup, beaucoup trop, on a 3 millions par an d'alertes collisions de ce genre-là. Mais ça permet de changer de vie. Alors, là on arrive à l'élément qui est vraiment important, on va dire, qui est le phénomène qu'on appelle le syndrome de Kessler. Finalement, donc j'ai deux phénomènes, je génère des débris, je fais arriver en orbite des nouveaux objets liés à j'ai des lancements, j'ai des explosions en orbite, j'ai des résidus d'opération, des coiffes, des sangles, etc. Et j'ai des collisions en orbite. Donc ça génère un certain nombre de nouveaux objets en orbite. Heureusement, il y a des sorties d'orbite, notamment grâce au nettoyage atmosphérique, dont tu parlais tout à l'heure, et puis par le retrait actif d'un certain nombre d'objets. Quand on envoie une capsule avec des bipèdes dedans, généralement on essaie de la récupérer. Donc il y a un bilan entrée-sortie. Hein, par exemple, en 2022, on a eu 3244 entrées, 2457 sorties, donc un bilan, un delta de 787. Il est clair que tant que le delta est positif, on continue à augmenter. Par contre, là où c'est un tout petit peu plus subtil, au niveau du syndrome de Kessler, c'est qu'on se dit, il y a un truc qu'on pourrait éviter. Imaginons une situation extrême où il n'y a plus aucun lancement. Plus aucun lancement, plus rien. Donc la part lancement n'existe plus, la part explosion n'existe plus, parce que les satellites, on n'a plus injecté de satellites, donc ils n'ont pas explosé. Il n'y a pas de résidu d'opération, vu qu'il n'y a plus d'opération. Le seul truc qui reste, c'est juste les collisions entre les objets qui sont déjà plus hauts. Okay. Et là, on est donc au retour, par contre, bon, il n'y a plus de retrait actif, mais il y a juste l'atmosphère, le nettoyage atmosphérique. On dit, si la part collision est supérieur au nettoyage atmosphérique, alors je suis dans une situation divergente. Et là, j'ai une réaction en chaîne claire, c'est-à-dire même en restant les bras croisés, en n'ayant plus aucune activité spatiale, le nombre d'objets continue d'augmenter de façon exponentielle. C'est ça qu'on appelle le syndrome de Kessler, et c'est ça qu'on observe aujourd'hui entre 700 et 100 km d'altitude.
c'est-à-dire une divergence de la population orbitale dans ces zones-là. Voilà, alors quelques histogrammes, juste pour expliquer un petit peu ça. Voilà, par exemple, en 2000, donc vous ne pouvez pas les lire ici, mais c'est des altitudes qui vont de 200 à 2000 km d'altitude, avec un nombre d'objets catalogués. En 2000, bon, on avait le pic des orbites héliosynchrones, donc vers 800 km à peu près, un pic de vieux états soviétiques vers 950 000 km à peu près, et une constellation qui s'appelle Global Star. Ça, c'est évolué en 2011. On a quand même pas mal augmenté ici en rouge. Alors ça, par contre, cette augmentation, on la comprend. Parce qu'il y a eu, la fragmentation de Fenguén-1C, vous vous souvenez, donc l'antisatellite chinois. Il y a eu la fragmentation de la collision Iridium-33, Cosmos-22-51. Donc ça, c'est ça qui a alimenté les deux blobs ici, qui sont entre le bleu et le rouge. Donc, on voit, ça a augmenté beaucoup, mais on sait pourquoi. On comprend pourquoi. On arrive vraiment à remonter à l'origine de chaque débris. Si je passe en 2022, là, la situation est devenue beaucoup, beaucoup plus complexe. Premièrement, on a une zone, ici, dans l'ellipse, on reconnaît donc le bleu et le rouge, mais là, il y a le vert qui est au-dessus, et donc on a augmenté pas mal entre le rouge et le vert. Et là, par contre, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé de majeur, on n'a pas eu de collision du genre Cosmos-2251 ou autre, et donc quand on analyse cette zone-là, c'est que des débris. Et c'est facile, c'est que des débris, c'est une zone d'augmentation spontanée par collision. Et ça, c'est quand même dommage, parce que ça veut dire que les orbites classiques, nos orbites préférées, les orbites héliosynchrones, la fameuse 807 km à 98,7, ben, elle est là, quoi. Donc elle est bien pourrie au milieu de débris qui se régénèrent. Donc la réaction des opérateurs, c'était de dire quoi? Bon, il faut éviter cette zone-là, on n'y va plus. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, on va créer... On va aller se lancer à 1200 km. C'est la constellation OneWeb. Alors, c'est la première fois de l'histoire de l'astronautique qu'un opérateur a décidé d'aller à un endroit, non pas parce que c'est optimal pour ses opérations à lui, mais juste parce que c'est le creux des débris. Donc là, il a fait les mêmes histogrammes que moi. Il a vu, mais tiens, ben là, il y a un creux, on va s'y mettre. Donc évidemment, maintenant, il n'y a plus de creux. Alors le problème de OneWeb, il y a plusieurs problèmes là-dedans. C'est donc effectivement, il y a moins d'ennuis au niveau des risques de collision. Mais premièrement, il est très haut. Et donc à 1200 km d'altitude, il est stable pendant 2000 ans. C'est-à-dire s'il y a un satellite qui est perdu là, il va rester au milieu de ses petits camarades opérationnels pendant 2000 ans. Et ça, c'est vraiment très très perturbant. Secondo, au point de vue des performances de télécommunication, c'est pas forcément génial. Il est très haut, donc il a des temps de latence qui sont proportionnels à l'altitude, hein, et donc qui sont deux fois plus élevés que s'il était à 600 km. Et même au point de vue des communications, donc, qui là est proportionnel à 1 sur le carré de la distance, donc il a besoin de 4 fois plus d'énergie que s'il était à 600 km. Donc, initialement, Starlink voulait se placer là, et ils ont compris que non, ils préféraient se mettre à une altitude beaucoup plus basse. Donc, Starlink s'est mis à 560 km, Alors attention, là c'est très fortement tronqué, hein, puisque j'ai coupé à 400 ici, alors qu'il en est à 3580. Je sais pas comment le présenter sur une courbe, je trouve que c'est grave tout. Quoi. Et donc là, on se retrouve avec toute cette zone-là, qui sont les nouveaux satellites, c'est ce qu'on appelle le New Space, et qui donc tous se sont mis en dessous de la zone critique, de manière à ne pas avoir d'ennui de collision et autres, et ils ont vraiment phagocyté toute cette zone-là, avec Starlink, qui a l'habitude d'être envoyé d'abord à 350 km d'altitude pour faire tout son déploiement. Donc, hein, il se met on, il déploie les panneaux solaires, il déploie les antennes, il vérifie que tout marche bien, il fait coucou à la Terre. Et quand tout marche bien, là, on lui donne l'ordre de, c'est bon, vous pouvez monter à 560 km. Okay, il y a une autre constellation qui s'appelle Planète. Au passage, vous remarquerez ici la station internationale, 420 km d'altitude. Voilà, elle est bien, il n'y a rien. Là, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup plus. Donc le risque vis-à-vis des stations habitées, donc la station internationale, la station chinoise, le risque est devenu tout à fait significatif. Le risque a explosé et a monté d'un facteur 50 en quelques années. Voilà. Allez, j'ai deux planches qui sont bien pourries, et puis après, je vais
Ça, c'est une planche, ça exprime un tout petit peu la même chose, c'est-à-dire en fonction de l'altitude, de 200 à 2000, attention, là, c'est une densité d'objet, mais c'est en échelle log. Donc, vous faites l'échelle log, on passe d'un cran à un autre en multipliant par 10. Les codes couleurs, c'est les carrés verts, c'est les satellites actifs. Tout le reste, c'est des débris. Tout le reste, c'est des débris, c'est-à-dire en bleu pâle, c'est les vieux étages de fusée. En jaune, c'est les vieux satellites. Et en rouge, c'est les fragments issus de collisions ou d'explosions. Et donc, on voit que dans la zone là, de ma parenthèse, entre 700 et 1100 km, il y a 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de débris que de satellites actifs. Il n'y a vraiment plus que c'est une zone complètement pourrie, il n'y a plus que du débris. Si on cherche, je crois que si je choisis bien, si je choisis pile cette altitude-là, là, il y a un facteur de vide. Bon, ça, c'est exactement la même information présentée d'une façon différente, avec donc en fonction de l'altitude, le pourcentage de la proportion d'objets fonction de leur nature. Donc une fois de plus, c'est le même code couleur. Le vert, ici, c'est les satellites actifs. Tout le reste, c'est du débris. Et donc on voit bien que la zone classique des 800, 900 km, etc., ça y est complètement condamnée, enfin, voilà, et que tout le monde est revenu à des orbites beaucoup plus basses, de manière à ne pas avoir de problème. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Bien, que peut-on faire? Premièrement, on peut réglementer. Donc, réglementer, là, on a l'idée de base, c'est celle-là. C'est dire, il faut imposer que ben, on désorbite tout, les satellites géostationnaires, on les réorbite, de venir les envoyer sur l'orbite solaire. Okay. Et donc, on nettoie complètement. On laisse toute la zone terrestre propre. Hein, c'est la règle dite des parcs naturels américains. Hein, tout ce qui rentre doit sortir. Malheureusement, on ne sait pas faire. Au point de vue techno, au point de vue delta V, au point de vue coût, au point de vue... c'est beaucoup trop ambitieux. Et donc, on pourrait le faire si tout le monde se mettait vraiment d'accord ensemble à un moment, et croix de bois, croix de fer, je le fais. Si tout le monde le fait, on pourrait le faire. Mais là, évidemment, il y a tellement de distorsions de concurrence, vous, et autres, où certains le feraient et pas les autres, et là, il y aurait... serait pas jouable, commercialement, notamment. Donc, à la place de ça, on a établi 5 règles qu'on applique à court terme, qui sont très, très intuitives, hein. Pas de génération de débris en connaissance de cause. Donc, notamment, on ne lâche plus d'objets opérationnels, des simples, des capots et autres. Pas de destruction volontaire en orbite. Secondo, on évite les explosions d'orbite. Donc, on passive systématiquement. Hein, c'est l'exemple de mon étage tout à l'heure. On passive en fin de mission de manière à éviter que ça explose, que ce soit des satellites. Après, on définit 2 zones protégées, fossiles. Les orbites basses et l'orbite géostationnaire, son voisinage, il est interdit de rester pendant plus de 25 ans après la fin des opérations. En 25 ans, ça peut sembler un peu long, mais je vous rappelle que quand on est à 1000 km, on y est pour 1000 ans. Donc les 25 ans, il y a plein d'anecdotes là-dessus, si on a le temps, mais les 25 ans, ça a été une négociation qui a duré 5 ans et qui a été arrachée de façon unanime au niveau mondial. C'est-à-dire avec, on a vraiment eu une... donc ça a été approuvé par les Chinois, les Russes, les Américains et tout le reste du monde. Donc on a topé sur 25 ans. Éviter les collisions quand c'est possible, ça semble trivial, mais ça veut dire que pour éviter une collision primo, il faut que votre satellite soit manœuvrant, donc ait une propulsion ou un moyen de fournir un delta V. Et secondo, il faut qu'il soit au courant qu'il y a un risque de collision face à lui. Donc il faut qu'il ait les informations des catalogues assez précis, bien, pour pouvoir éviter. Et enfin, minimiser le risque de victime au sol. Là, on a des règles. On a droit à 10-4 victimes par rentrée. C'est le right to kill. Alors, victime, c'est, attention, c'est pas un mort. C'est, on envoie quelqu'un à l'hôpital. Et là, donc, on a plein de méthodes de calcul. Grosso modo, plus un objet est plus petit, moins il est dangereux. C'est plus bien. Et donc, si on a des gros objets, supérieur au seuil, on impose qu'il retombe dans le sud du Pacifique, par exemple. Donc, il faut faire une rentrée contrôlée de manière à garantir qu'on rentre dans une zone où il n'y a personne. Ou alors, sinon, on modifie complètement la conception du satellite ou de l'étage, ce qu'on appelle D4D, Design for Demise. Et par exemple, si vous avez le choix pour un réservoir entre du titane ou de l'aluminium,
prenez l'aluminium, c'est peut-être moins performant en termes de masse, mais ça fond, pas contrairement au titane. Voilà. Et ça, alors ça, c'est des trucs sur lesquels on travaille depuis très très longtemps. Les premiers standards, ça a été le standard de NASA en 95, et les Japonais en 97, et nous en 99. Puis après, les autres ont un peu suivi. Sur cette base-là, on a travaillé au niveau de l'IADC, enfin, l'IADC de tout à fait au début, Interagency Space Debris Committee. Les coutumes de la paix, c'est le club des pollueurs. C'est le club qui regroupe les 13 agences internationales spéciales capables de polluer l'espace. Donc, on se regroupe, on se voit deux fois par an, avec des groupes de travail. Il y a quatre groupes de travail. Le premier, c'est pour, c'est les astronautes, c'est ceux qui nous disent ce qu'on a au-dessus de nos têtes, en fonction des populations, des zones. Les seconds, les deuxièmes, c'est ceux qui font toutes les simulations numériques. Donc, les propagations dans le temps, suivant différentes hypothèses et autres. Les troisièmes, c'est ceux qui s'occupent des blindages pour les satellites, on va le voir juste après. Et le quatrième, c'est celui qui établit la réglementation internationale dans laquelle j'appartiens. Et donc, on a fait des guidelines en 2002, qui ont été révisés depuis 2007, et qui, là, vraiment, ces guidelines, de l'INSC, donc, une fois de plus, à l'unanimité des 13 agences, c'est la Bible. Vraiment, avec les très hautes résolutions. Par contre, on nous a tout de suite expliqué, attendez, vous êtes des ingénieurs, vous n'avez pas le droit d'écrire la loi, vous n'avez pas le droit d'écrire des standards, vous n'avez pas le droit. Donc c'est juste des textes qui après doivent essaimer. On a, premièrement, on a fait un beau groupe de travail au niveau européen, qui a abouti en 2004 à un European Code of Conduct, ABCDE, ASI, BNSC, CNES, BNR, ESA. Et surtout, on a donné le texte des guidelines à l'ONU. Au comité qui s'appelle le COPLOS, Committee for Peaceful Use of Outer Space, le comité spatial à Vienne, qui a promulgué ses propres guidelines en 2007. Ensuite, on a utilisé alors, le Code of Conduct européen pour servir de base pour ISO. Donc, je pense que vous êtes familier de ISO, International Standardization Organization. Ça standardise absolument tout. Donc, si vous ouvrez votre frigo, le yaourt dans le frigo, il est ISO. C'est-à-dire au point de vue de l'épaisseur de la paroi, des trucs comme ça. Par contre, si vous allez chez à la ferme du coin, vous achetez un yaourt qui sera certainement meilleur et qui ne sera pas ISO. Donc l'élément fondamental au niveau ISO, c'est de comprendre que c'est applicable que si on décide de le rendre applicable. Sinon, bon. Donc, dans ce sens-là, mais en plus, on peut dire que c'est applicable, sauf ce chapitre-là, qui me gêne, et sauf ce paragraphe-là, c'est ce qu'on appelle la taylorisation des standards. Donc c'est très puissant. Oui et non. C'est vraiment la règle. Alors ça, ISO, ça sort d'un groupe dans lequel il y a 130 pays. Il y a tous les industriels, les opérateurs, il y a des militaires, il y a des assureurs, il y a vraiment toute la communauté. Donc ces textes sont très riches. Il y a le très haut niveau 2413, et avec plein de filles en dessous sur comment calculer la densité atmosphérique, comment calculer la survivabilité, comment calculer le nombre de victimes au sol, etc., etc. Ça, c'est très riche. Et enfin, il y a un cas particulier, c'est la France. La France qui est le seul pays à avoir fait une loi, une vraie loi portant sur les opérations spatiales, la LOS, approuvée en 2008, et applicable depuis 2010. Et là, c'est des textes de loi. Donc là, c'est pas, si vous voulez, tout ce qui est précédent ici, les guidelines, les standards, c'est ce qu'on appelle du soft law. Vous l'appliquez si vous arrivez à l'appliquer, vous l'appliquez si vous avez envie. C'est des best wishes. La seule exception, c'est la loi française. Là, c'est une loi, une article. Et donc, il y a vous devez, pour toute opération sociale, vous devez présenter un dossier. Alors, si c'est du satellite, c'est mes camarades de la LOS ici, au CNES, qui vont analyser ça. Il y a une dizaine d'ingénieurs spécialisés dans ça. Si c'est au niveau lanceur, c'est à Dominique, à Paris. Et donc, qui donnent leur approbation pour toute opération spatiale. Alors, pourquoui la France facile? C'est parce que c'est Kourou. Donc, Kourou, qui est le port spatial européen. Donc, on a dit que tout ce qui part du CSG, bah, finalement, c'est de responsabilité française, parce que c'est le territoire français, donc on a une loi française. Et donc, cette loi française, elle est de facto applicable à toute opération européenne qui part du CSG. Alors, malheureusement, très mal respectée. Juste un principe très général, donc voilà, je vous disais au niveau des différents volets réglementaires,
Donc on a l'IADC et les Nations Unies, ça c'est au niveau des principes internationaux. Après, ça se décline au niveau des pays par des législations nationales, alors qui peuvent être des lois ou des standards ou autres, ou des code of conduct, des guidelines et autres. Et enfin, on a les standards industriels, contractuels, donc ISO. Oui, j'ai pas parlé de CSS, mais le CSS, c'est le ISO au niveau européen. Donc, sur lequel on travaille pour, notamment, pour préparer les textes de l'ISO. OK? Après, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est qu'on peut protéger nos objets. Donc, pour ça, on met des blindages contre les effets des collisions. Les blindages, c'est des boucliers multicouches. Donc, le principe, c'est ça. Par exemple, voilà, il faut avoir un peu d'imagination. Mais ici, ça, c'est la paroi que je cherche à protéger. Paroi de mon satellite, par exemple. Et je vais mettre devant 4 couches de Kevlar, séparées de 5 cm chacun. Et le débris vient de gauche à droite, de transversé. Et au moment où il passe la première paroi, paf, il va être légèrement fragmenté, subdivisé en sous-débris. Ici, vous avez un exemple. Voilà. Quand il passe la deuxième paroi, ben, c'est des morceaux encore plus petits, etc., etc. Et quand il s'écrase sur la dernière paroi, finalement, c'est un nuage de poussière qui ne traverse pas la paroi. Et donc, j'ai bien protégé. Ça, c'est très bien. Il y a plein de méthodes. Il y a des références là-dessus. Chacun vient avec sa petite recette avec des mousses métalliques ou des formes bizarres. Malheureusement, c'est efficace jusqu'à 1 cm. 1 cm, donc, si vous vous souvenez, c'est 1 mégajoule. Dès qu'on dépasse ça, si on a vraiment de la chance, ça peut arrêter un objet de 2 cm, et absolument pas au-dessus. Donc ça veut dire que les objets non catalogués qui font plus de 1 cm, ça marche pas. Donc on a vraiment un trou, on n'a pas de solution entre 1 et 10 cm. Donc la limite est telle ou catalogue. En plus, bon, ces blindages, ils posent quand même plein de problèmes. Ils sont lourds, ils sont chers, ils sont pas forcément efficaces, on va pas mettre un blindage devant l'optique d'un télescope. On ne peut pas le mettre non plus devant des panneaux solaires, on ne peut pas le mettre devant un radiateur, on ne peut pas le mettre devant une antenne, etc., etc. Donc à la fin, il n'y a quand même pas beaucoup d'objets, pas beaucoup de structures devant lesquelles on peut mettre des blindages comme ça. De façon pratique, on ne s'en sert que pour les modules habités. Ici, vous avez les modules de l'ISS, et où là, bon, on ne le dirait pas, mais là, derrière cette paroi métallique, vous avez ça. Les boucliers, c'est les blindages de l'ISS. Après, je vais passer très vite, parce que je pense que je suis vachement en avance. C'est, on peut essayer de recycler. Donc là, on a eu un groupe de travail, qui était assez riche, assez amusant, d'ailleurs. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut recycler les débris? Et on pourra en parler si vous avez des questions. Malheureusement, la conclusion, c'est qu'on peut pas. For fun, on avait même trouvé une idée d'aller trouver un cratère sur la Lune qui servirait de dump. Bah, on irait cracher tous nos débris dans le cratère, là. Et comme ça, si les astronautes, dans le futur, ont besoin de matériaux, ils peuvent aller se servir dans la décharge publique du cratère. Sinon, ce qu'il faut, c'est qu'il faut éviter les collisions. Donc, éviter les collisions quand c'est faisable. C'est un process qui est faisable, hein. On sait donc où est un objet, on sait où sont les autres objets. Donc, on propage dans le temps sur 24, 48, 72 heures les orbites des différents objets, on vérifie les distances de rapprochement. Si on a un risque de rapprochement, on lève un flag et puis on commence à analyser plus finement les trajectoires des uns et des autres. Et si le risque à la fin est vraiment avéré, on manœuvre. Donc ça permet d'éviter la perte d'un satellite opérationnel. C'est assez compliqué, c'est vraiment de la très, très belle mathématique. C'est une activité fondamentale du C2O, ici. Centre opérationnel d'orbitographie opérationnelle, où il y a une douzaine de collègues qui bossent 7-7, 24-24 pour protéger. Bon, je crois qu'on a, oui, on a 200, on a pas moins de 300 satellites protégés, alors pas tous français, mais pas mal de copains qui nous font protéger leurs satellites. Donc c'est quelque chose qui est quand même vraiment très significatif, majeur, et qui, attention, ne protège que les satellites actifs. S'il y a un risque de collision entre débris, on le verra même pas. Et donc ça, on fait également ça pour chaque vol depuis Kourou. C'est une activité qui est vraiment très importante. Donc, bon, il faut se souvenir, il n'y a que 30% des collisions entre catalogués qui mettent en œuvre un satellite manœuvrant. Donc, on voit qu'on peut avoir un risque de collision entre deux gros débris. Pour le moment, on ne fait rien. C'est clair. Et exemple, en 2022, donc, on a eu 3 millions de conjonctions. 3 millions d'Hertz, toutes les 15 secondes, je crois.
donc une toutes les 15 secondes, et sur lequel, mais après l'analyse, on n'a eu que 17 manœuvres. Mais l'ISS manœuvre 4 fois par an. Ah oui, allez, parfait. Sir, debris heading towards our comm satellite. Impact may cut off communications with ground forces. Launch avoidance maneuver. Flight glomers are closing. Collision averted, sir. All objects are attacked. Good job. Alarm at airforce.com. Bon, vous me parlez, si je vous dis que ces deux eaux, c'est pareil. Bon, un tout petit peu moins sexy, mais c'est exactement le même principe. C'est exactement ça qu'on fait juste à côté. Et alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est, pour éviter les collisions, on a énormément de moyens de ce qu'on appelle SST, Space Surveillance Tracking. C'est-à-dire détermination de ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Donc, tout ce qui est, télescope, radar, on sert de laser, il peut même y avoir des satellites dédiés. Donc ça, au niveau des Américains, ils ont un très grand réseau avec 29 moyens d'observation qui s'appelle le SSN, Space Surveillance Network. Au niveau européen, on est en train de se bâtir le nôtre qui s'appelle le USST, European Union Space Surveillance Tracking. Là, qu'ils ont, donc ça, c'est les systèmes institutionnels. Mais il y a beaucoup de systèmes privés, hein, radar ou optique. Par exemple, ça, c'est Share My Space, une petite start-up émanant de Polytechnique, où ils ont 4 télescopes très manœuvrant avec des trucs très 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 rusés. Ils ont vraiment très très avancé. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple à suivre. D'ailleurs, on les soutient beaucoup, on les aime beaucoup. Il y a des moyens par laser, il y a des moyens par radar. Par exemple, il y a un collègue donc, qui était le chef de département ici de tout ce qui était SST, qui est parti faire sa propre start-up, qui s'appelle Locom Space. Il est parti avec comme co-fondateur le général Friedling, qui était l'ancien commandant de l'espace militaire. Et donc ça, Nota, là, il y a vraiment des possibilités au niveau start-up. Si vous avez un bout de jardin, vous collez dedans un télescope ou un radar, vous vendez les informations, et ça permet d'alimenter encore un peu plus la base. Bon, il y a pas mal de systèmes expérimentaux non encore opérationnels, notamment au niveau laser. Bon, et puis le moyen français institutionnel, on a un très gros radar, qui s'appelle le radar Grave, qui est un bistatique installé entre Dijon et le plateau d'Albion. Plus trois télescopes, on en a un quatrième qui doit arriver bientôt, en Nouvelle-Calédonie, je crois, donc, qui est vraiment dédié à l'orbite géostationnaire. Pas dédié, on s'en est servi pour filmer le lancement de JUICE. On voit l'étage, on voit Ok, ce qu'on peut faire après, c'est éviter les collisions entre objets non manœuvrants. Là, le challenge est un peu plus dur. On a deux gros vieux débris, des machins qui font 2, 3, 4 tonnes. On est capable de calculer que ils ont une probabilité de collision qui peut être assez élevée. Et on dit, si je ne réagis pas, le débris A et le débris B vont avoir une collision ici, là, dans 24 heures, donc 48 heures. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut dévier très légèrement l'un des deux débris, par exemple là, le débris B, je fais une action ici de manière à le ralentir un peu, qui est évidemment très caricatural, hein, mais je le ralentis un peu de manière à éviter, finalement, faire une marge au niveau du risque de collision. Et ce qui est épatant, c'est quand on fait le calcul, c'est qu'on se dit, il faut le ralentir un peu, c'est 4 mm par seconde, 3,6 mm par seconde. Donc pour un objet qui est en train de bouger à 8000 mètres par seconde, c'est vraiment rien. Et donc on s'est dit, il suffit de 3 fois rien, c'est vraiment juste un petit coup de coude, hein, pour dévier. On fait ça, hein, 4 mm par seconde, 24 heures avant la collision, c'est une marge de 1 km. Donc c'est pas mal. Donc les idées, on a eu l'idée d'injecter une atmosphère artificielle devant le débris. Donc on injecte un nuage particules, alors c'est de toutes petites particules de cuivre et de gaz, devant l'un des débris, mener à faire une atmosphère artificielle qui va légèrement le freiner et permettre d'éviter. Ou bien par laser, ici, ou bien par, on en parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle des nanotugs, c'est finalement, je vais ressusciter un débris en allant lui coller un CubeSat, pas bien gros, je lui colle un CubeSat, il reste accroché dessus en mode dormant, un certain nombre de mois, d'années,
jusqu'au jour où le sol le réveille en disant attention, c'est ton débris qui pose un problème, réveille-toi et bouge-le. Et donc là, il se réveille et il le bouge de 3000 mètres par seconde. 3000 mètres par seconde, même sur un truc qui fait 8 tonnes, c'est trois fois rien, donc c'est vraiment du CubeSat, je crois que c'est du 8U, mais qui est capable de dévier. Et donc là, on résout pas le problème, parce que le débris reste là-haut. Mais par contre, on évite la collision majeure. Pour se donner une idée, par exemple, on a les plus gros débris qu'on a, c'est les étages supérieurs de Zénith 2. Zénith 2, c'est 9 mètres, 9 tonnes. Il y en a 56, à peu près dans la même zone. Il y en a deux qui passent à moins de 100 mètres l'un de l'autre, une fois par mois. Et si on a une collision entre deux de ceux-là, on double le nombre de débris en un seul coup. Donc il faut absolument essayer d'éviter. Donc appel à nouveau, start-up, il y a plein d'idées là-dedans. Ça, moi, je rêve de trouver une start-up qui permettrait de développer ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au niveau universitaire, simple. En plus, c'est des satellites qui sont simples, hein, parce qu'on ne leur demande pas, il n'y a pas de charge utile, sophistiquée, c'est juste, on lui demande de fournir un delta V, donc de répondre quand on lui dit réveille-toi. En plus, on peut les produire, il faut en produire une cinquantaine pour équiper les plus gros, donc il y a tout un effet de série, mais quelque chose qui est très très prometteur et qui est très récent. Il y a énormément de travaux en cours. Ok, et enfin, bon, sinon la Rolls au niveau de c'est le nettoyage orbital. C'est-à-dire on va retirer d'orbite des gros débris, c'est ce qu'on appelle l'actif débris en vol, qui est la seule mesure efficace pour limiter la prolifération des débris. On démontre que il faudrait premièrement être propre, les règles de tout à l'heure. Et en plus, si on retire 10 gros débris par an, les plus gros, les plus dangereux, là, à ce moment-là, on arriverait à stabiliser complètement l'environnement. On casse le syndrome de Wessler en allant retirer 10 gros débris par an. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que c'est juste 10, alors qu'il y en a 36 000 de plus de 10 cm. Mais évidemment, on va chercher mes zéniths, hein, les Cosmos 3M, il y en a 300 qui font une tonne 4, en fait, etc., etc. Et donc, on se débarrasse finalement des réservoirs potentiels de nouveaux débris suite à des collisions. Et là, alors là, il y a énormément d'études là-dessus. Une fois de plus, c'est une zone idéale pour des startups. On n'a pas la solution qui marche aujourd'hui. Il y a énormément d'études depuis plus de 10 ans avec des démonstrateurs orbitaux en cours. C'est très très riche. Alors beaucoup de techniques de pêche au gros. Je lance un filet, je lance un harpon, je grappe, puis après je tire et je désorbite pour faire retomber dans le sud du Pacifique, vu que c'est que de la pêche au gros, donc dangereux, donc il faut faire des rentrées contrôlées. Mais sinon, il y a des systèmes rusés, par exemple l'Université du Colorado, alors ça c'est dédié à l'orbite géostationnaire, qui a son chasseur qui est équipé d'un canon à électrons. Donc il tire sur le débris charge en négatif, lui charge en positif, donc il s'attire mutuellement. Et sur le chasseur, vous avez des petits moteurs électriques qui permettent de régler en boucle fermée, de régler la distance entre le débris et le chasseur. Donc finalement, vous faites une laisse virtuelle électrostatique, et ça marche même si le débris tournoie sur lui-même et tout, c'est très rude, c'est très beau. Il y a plein d'idées, des idées de Gérard Mouroux, et qui ont posé un brevet, là-dessus d'ailleurs, à base de laser. Bon, il y a plein de barrières, notamment politiques, politique, c'est des activités duales. Si vous êtes capable d'aller désorbiter un de vos gros débris, vous êtes capable d'aller désorbiter un, pas à vous, pas débris. Un problème d'assurance. Je suis le gentil camion poubelle, je rattrape un débris russe, je descends, je tape dans un satellite actif japonais qui est responsable. Le russe dira, si vous ne m'aviez pas touché, j'en avais fait. Moi, j'essaie de dire, oui, mais c'est pour le bien de l'humanité et tout. Donc, bon, c'est compliqué. Mais le principal problème là-dedans, c'est le coût. Et donc, on a, je crois que j'ai sauté les 5 planches qui allaient, qui expliquaient comment faire, mais voilà. Si vous êtes intéressé, on pourra en parler. Mais on a 5 voies identifiées, justement, pour financer ces types d'activités. Allez, on arrive aux conclusions. Première conclusion, premier point qu'il faut garder en tête, qui est un peu un bis répétiteur de ce que je disais tout à l'heure, c'est la réglementation, quelle qu'elle soit, n'est plus suffisante. C'est-à-dire, on peut améliorer la situation en ayant une réglementation de plus en plus dure, mais
De toute façon, on aura une évolution qui continue. Et ici, vous avez l'évolution, vous avez le nombre d'objets de plus de 10 cm en orbite basse à travers les âges sur deux hypothèses. L'extrapolation, business as usual, on continue comme aujourd'hui, ce cours le rouge. Et pour les puristes, les petites variations ici, c'est le cycle solaire de 11 ans, hein, qui est l'étoile qui est. Et puis, mais par contre, l'autre activité, c'est no future launches, donc arrêt complet des activités sociales. Voilà, on est en vert foncé, on monte. Ici, vous avez le nombre cumulé de collisions dans les deux cas. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que même le cas arrêt total des activités, de toute façon, diverge. Donc on a déjà une zone 700-1100 km qui est complètement pourrie, où je vous recommande de ne pas viser de faire une mission trop chère dans cette zone-là. Et cette zone va s'étendre et est en train de diverger. Donc il faut absolument démarrer nos actifs débris au vol et donc les just in time collision avoidance, comme les histoires d'évitement de collision entre débris. Pour ça, je vais la passer parce que c'est le spécial. Au niveau des priorités, donc on a trois familles de priorités. Il faut gérer la situation d'aujourd'hui, fondamentalement consolider la réglementation internationale. Une fois de plus, États-Unis, Russie, Chine. Donc ça rime à rien de faire dans d'autres coins quelque chose. Il faut de toute façon arriver à convaincre, à discuter États-Unis, Russie, Chine. Et donc ça, partager la réglementation en vigueur au niveau international, c'est tout ce qui est OCSS, ISO, IADC et autres. Pérenniser notre action au niveau des instances internationales, vraiment être très présent de manière à dynamiser ces échanges, pour lui prendre en compte les spécificités du New Space. Atténuer les effets d'hier. Donc, le syndrome de Kessler, qui est divergent. Donc, il est impératif de démarrer les opérations de retrait actif de débris et d'évitement de collision. Et préparer demain, donc mettre tout en place pour garantir la pérennité des opérations spatiales. C'est assez classique. Le dernier point, là, c'est mes dada. C'est essayer de préserver la zone habitable. On voit que la zone habitable, c'est typiquement entre 370 km et 430 km d'altitude. C'est là où on trouve la station chinoise. L'ISS, bien sûr, c'est là où on va trouver la majorité des nouvelles stations commerciales américaines. Donc, ça, c'est la zone dans laquelle il va y avoir de plus en plus de monde. Malheureusement, on ne peut pas décréter que il doit rien y avoir là-dedans. Hein, parce que les satellites peuvent, de toute façon, traversent à la montée et à la descente. Donc, on est en train d'essayer d'établir des nouvelles règles, notamment une règle disant que tout ce qui est lancé au-dessus de 300 km d'altitude doit avoir une capacité d'évitement de collision. Notamment, par exemple, les CubeSat, aujourd'hui, on envoie, ils sont super, c'est vachement sympa, mais les CubeSat universitaires qu'on envoie à 500 km sans aucune précaution, qui n'ont pas de propulsion à bord, il faudrait que ce soit interdit. C'est des pavés qui finissent par redescendre et à poser des risques de vie humaine à bord des stations. Donc ça, on y travaille, c'est vraiment tout le sujet ISO. Et la conclusion, voilà, la dernière, c'est promis. Premièrement, quelques inquiétudes, on a un respect très médiocre de la réglementation internationale. Globalement, notre réglementation n'est respectée que par moins de 10% des satellites, des gros satellites au-dessus de 600 km. Voilà. Un satellite en fin de vie, si par hasard il lui reste un peu de carburant, si par hasard il est encore manœuvrable, alors il applique la réglementation pour nous faire plaisir. Et sinon, ils ne se sentent absolument pas obligés. On a encore à peu près une fragmentation massive par mois, donc une nouvelle gerbe de débris chaque mois. Secondo, on a un très grand nombre de CubeSat, voire même plus petits. Voilà par exemple un CubeSat Planète. Planète, ça c'est des vous connaissez peut-être, c'est des petits télescopes qui font 30 sur 10 sur 10, avec une ouverture de 10 cm. Il y en a 450 au-dessus de nos têtes, qui filment le sol. Le principe, c'est vous pianoter sur votre smartphone que vous voulez la photo de la piscine de la voisine, voilà. Et donc une heure après, vous l'avez. Pour le moment, c'est pas encore une heure après, pour le moment, c'est le lendemain. Donc ils sont en train d'œuvrer tout ce qu'ils peuvent, de manière au lieu d'en avoir 400, d'en avoir 4000 satellites comme ça. For fun, on a beaucoup discuté avec eux, justement, des règles un peu de vie privée et autres. Et donc leur réponse très américaine, c'est grâce à nous, on aura une vie meilleure, parce qu'on saura que le voisin n'est pas en train de faire des conneries. C'est une vision. Non, et sinon, plus sérieusement, au niveau du marché, c'est Auchan qui achète la photo du parking de Carrefour un jour de promotion. On va voir si ça marche. Donc ça, Planète, encore cela, on arrive à le voir.
Après, il y a plus petit, il y a Space Bees. Le Space Bees, c'est 10 sur 10 sur 2 cm et demi. Donc ça, for fun, c'est ceux-là. Donc, ils avaient demandé l'autorisation à la FCC, Federal Communication Committee, qui est l'organisme de régulation aux États-Unis. Ils avaient demandé l'autorisation d'être lancé. La FCC l'a refusé. Donc, vous êtes trop petit, vous êtes inférieur à 10 cm, on vous verra pas, donc on vous interdit de lancer. La FCC a dit, bon, je m'en fous, ils ont lancé quand même. Donc la FCC s'est fâchée, a émis une pénalité financière et leur a interdit de relancer. Du coup, SpaceBees, ils sont allés voir alors, le Conseil d'État, ou je sais pas quoi, en se plaignant, en fait, attendez, c'est quoi un organisme institutionnel qui s'oppose à l'initiative privée, commerciale, américaine? C'est quoi? Bien sûr que non. Donc le Conseil d'État a cassé la décision de la FCC, a remboursé la pénalité vers SpaceBees, et depuis, ils en ont lancé, je crois, une cinquantaine, y compris sur Vega. Donc, voilà la façon dont on peut tordre un peu la réglementation. Mais il y a encore plus petit. Par exemple, PokéCube, c'est quasiment des apéricubes. Donc là, quand on pose la question, mais ça sert à quoi? Ça peut transmettre les initiales de votre prénom en morse. Et donc, là, et ça a comme avantage qu'on peut les lancer mille par mille. Alors là, c'est terrible, parce qu'un truc comme ça, bon, c'est supérieur au centimètre, donc ça tue un satellite sans problème. Et donc, on a toute une action au niveau de l'ISO, notamment IADC et ISO, pour c'est quoi un satellite utile? Quelle est la notion de utile? Peter Beck, par exemple, a lancé une boule disco en orbite, une boule de 1 mètre disco, vous savez, avec des miroirs partout, quand on l'a dit, ça ne sert absolument à rien, si, ça me sert à faire de la pub et du fric. Donc la notion d'utilité est très subjective et pour le moment, on n'a pas réussi à se sortir de cette notion d'utilité. Certains disent que tout ce qui n'est pas scientifique est inutile. Bon, un peu extrême. Et enfin, donc, on a tout ce qui est méga constellation de satellites. Donc ça, bon, voilà par exemple un lancement de Starlink avec 40 satellites d'un coup, mais OneWeb ici, 36 satellites. Bon, et là, le truc, c'est il y a des milliers de satellites prévus dans les années à venir. Pour le moment, Starlink, on a déployé 4200, je crois, 4300, dont 1000 qui sont déjà rentrés, ou qui sont non opérationnels et qui sont morts. Voilà, un tiers, à peu près un quart, à peu près, qui sont morts. Mais ils visent de monter à 42 000, le total opérationnel. Et il y a Kuiper de Blue Origin, de Jeff Bezos, qui lui aussi veut rajouter 25 000. Les Chinois veulent une constellation prévue avec 15 000 satellites. Et nous, ça y est, on vient de signer, on va avoir notre Iris 2, je sais pas combien il y en a. Le mieux, par exemple, c'est un Américain qui s'appelle Greg Weiler, qui est très connu, c'est le serial entrepreneur, c'est lui qui avait fait les concours de tourisme spatial, c'est lui qui avait lancé OneWeb, c'est lui qui avait lancé O3B, il est célèbre, les gens le surnomment Mr. Chapter 11, parce que tout ce qu'il a touché a toujours fait faillite. Et là, donc, il a prévu sa propre constellation. Alors, il hésite sur le nombre de satellites, il hésite entre 100 000 et 327 000. Alors, ne me demandez pas pourquoi 327 000. Et par contre, il s'enregistre au Rwanda, de manière à ne pas avoir de problème. Donc là, forcément, tant qu'on est dans des mentalités comme ça, on a des soucis à se faire. En plus, donc. Donc voilà, la phrase de conclusion, c'est évidemment, s'il y a une bonne prise de conscience générale, rapide, mondiale, suivie des faits, mais tout ira bien. Je vous remercie pour vos attentions. Merci Christophe. On va prendre quelques questions. Il reste un petit peu de temps, s'il vous plaît. On va te laisser. Oui, merci pour cette conférence fort intéressante. Désorbitage. On pourrait aussi rappeler autrement, c'est utiliser l'atmosphère comme poubelle. Aujourd'hui, déjà, en fait, l'entrée, en fait, dans le milieu, en fait, par les débris, par les fusées, est supérieure aux entrées naturelles, par les fusées. Et si on enchaîne l'aluminium, par exemple, dans la stratosphère, ça crée un grand problème parce qu'en fait, ça détruit la couche d'ozone. Donc, quelque part, j'ai l'impression, souvent, on déplace le problème.